Précédemment, dans votre radio novella. Mais pourquoi comment tu m'as là? Là, toujours dis-moi que tu l'as fermé dans le pré. Mais tu vas la fermer! Écoute-moi, Ferrandini, j'ai pas tout mon temps. Je te fais encore une proposition, et cette fois c'est la dernière. Je te propose 2 millions. 2 millions, et tu me lâches. Non, la boîte, à partir de maintenant, ce sont les 45 millions qui sont à moi et à mon frère. C'est ma condition. Et je te laisse la vie sauve et un œil. T'es trop gourmand, le Corse. Mange du crabe. Ah, le cognou, il a raccroché. Maurice, il faut faire vite. J'ai l'impression que la boîte va nous jouer un mauvais tour. On va prendre la voiture de la gendarmerie. Ça nous évitera de nous faire contrôler. Payette, elle est où la voiture de police? Ben, elle est dans la quadrille. Ben, suivez-moi. Et par contre, s'il vous plaît, arrêtez un peu de braque ce pistolet, suivez-moi, je vous en prie. La ferme et avance. Ben voilà. Quoi? Ben voilà, la voiture de service. Tiens, voilà les clés. Et par contre, fais attention, l'embrayage est un peu dur. Mais c'est quoi cette caisse? Ben c'est une 4L. Oh, peut-être que ces messieurs auraient préféré une Mégane ou une 306 ou encore une Xara. Mais il faut pas exagérer, messieurs. Vous laissez à la zivoula. Une 4L. Maurice, tu sais conduire ce truc? Eh ben, de toute façon, on n'a pas le choix, Mario. Il faut partir. Encore une petite chose. La batterie est morte, il faut choquer. Bon, miette pas à te pousser, hein. Mon genou, il fait mal là. T'as l'impression que c'est la goutte, ça. Tout le temps, il fait moins ça comme il mange pas de chouchou avec la viande cochon. Oui, Payette, nous allons la choquer, ta voiture. Mais avant, on va se dire au revoir. Tu es sûr que tu veux le buter, Mario? Eh, là, vous, ça gaspille une balle pour rien? Gaspille pas, c'est pas grave, ça. Gaspille pas. Maurice, il en sait beaucoup trop. Dès qu'on sera parti, il va nous balancer à ses collègues. Quoi? À moi, les faire ma grande langue? Jamais, monsieur le Corse, mon nom, vous connaissez pas moins. Moi, il pas comme ça, moi, par contre. Moi, j'ai une belle sœur. Où t'es sale et ma crêle, ça. Toutes affaires se répètent. Me rappelle, m'avait abîmé un peu la débroussailleuse de mon. La ferme! Mi-pol-pi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 -
Alors dites-moi, vous vous souvenez du Corse qui est venu il y a 2 jours? Ben oui, commissaire, je me souviens. Eh bien, il lui manquait un bras et puis une grande cicatrice sur la figure. C'est pourquoi? Eh bien, écoutez-moi, il va repasser ici très bientôt. Alors surtout, vous ne lui dites pas où je suis. Vous m'avez compris? Est-ce que c'est clair? Ah oui, la boîte claire, c'est clair. C'est tellement clair qu'on croirait que c'est une chanson de Pierre Roselli. Claire, 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 mon amour. Pendant ce temps, dans le ciel de Salazi... Dis-moi, Payette, en combien de temps nous serons à Saint-Denis? Ben, alors combien de temps nous serons à Saint-Denis? Ben, là, vu que la route littorale est basculée, ben, va prendre au moins 30 minutes, tu penses? Au moins, si c'est pas plus. Mais tu te fous de moi ou quoi? On est en hélico. Ah oui, il est vrai, on t'a excusé, m'a oublié. Ben, il faudra compter au moins 25 minutes alors. Au moins, si c'est pas plus. Bien, tiens, Mario, il est déjà chargé. Merci, Maurice. Bon, messieurs, excuse-moi, pardon, mais il dérange pas vous si vous mettez un peu de musique? Parce que le bruit des hélices, ça vous fatigue mes oreilles. Là où t'es fatigué à moi, ma puis à peine le titre. Et le titre, ça y fait mal ça. Mais oui, mets de la musique si tu veux. Mais pour l'amour de Dieu, fermera s'il te plaît. Mifez ma bouche. Par contre, si vous gagnez pas ça, moi le CD s'il vous plaît, que l'est dans la boîte à gants. C'est le premier au-dessus. Tiens, voilà ton CD. Mets ta musique. Et maintenant tu la fermes. Mais dis plus rien, mais dis plus rien. Mais Payette, tu te fous de notre gueule ou quoi? Ben quoi que m'en a fait encore? Alors, mi Paul, il t'a fait ma bouche? Mi Paul, parlez pas vous non plus, ben quitte ta boîte, va te mourir, quoi qu'il veut. Mais enlève-moi ce CD, tu vois pas que ça va nous porter la poisse? Ben quoi, viens pas d'aller à Balavoine? Mais cogno, va, on est dans un hélico. Mais t'es vraiment un champion, toi, Payette, hein? Ah non, monsieur le Corse, moi c'est Robert Payette. Le champion, c'est Dimitri. Et notre Anglais, il a écrit une chanson pour lui. Comment il chante encore cette chanson? Mais la ferme! Précédemment, dans votre radio-novella, Maurice et Mario Ferrandini ont forcé le sergent Payette à poser l'hélicoptère de la gendarmerie de Salazi dans le jardin de l'État à Saint-Denis. Le jardin de l'État n'étant situé qu'à quelques mètres du commissariat Malartic. Maurice, attends-moi ici, je reviens. Quoi, tu veux dire qu'il a encore besoin de service, vous là? Toi, tu la fermes. Mario, écoute-moi, laisse-moi y aller. Après ce qu'il m'a fait à la Marapuldo, je vais lui faire manger la poussière. D'accord, Maurice, mais sois prudent. Ne t'en fais pas pour moi, Mario. J'en ai pour 5 minutes. Hé, hey, toi, la Catherine, la boîte, il est où? Premièrement, je m'appelle pas Catherine, mais je m'appelle Marie-Hélène. Et je vous rappelle que vous êtes dans un commissariat. La moindre des politesses serait de dire bonjour et d'essuyer ses pieds en entrant. Écoute-moi bien, je n'ai pas tout mon temps. Alors je te donne 3 secondes pour me dire, il est où la boîte? Eh ben, je vais t'aider à compter, mon grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y a un petit 9e ici, là. 10, 11. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais rien du tout, je suis en train de compter le nombre de petits points rouges qui sont en train de bouger sur ton front et sur ta chemise à fleurs. C'est bon, les gars, vous pouvez sortir. Oh, cogno, je me suis fait avoir comme un bleu. Allez, mec, passez-lui les menottes. Mais comment dire, Lopez, c'est bizarre quand même. Quand il est venu la dernière fois, il lui manquait un bras. Vous êtes sérieuse, Marie-Hélène? Mais j'en suis sûr, commandant, il lui manquait un bras. Et en plus, il avait une grande cicatrice sur le visage, là. Allez, emmenez-le-moi dans mon bureau. Et je crois qu'on a des choses à se dire, monsieur le lézard. Lézard, ta sœur? J'ai pas de sœur. Et tu commences pas à faire ta tête de nœud, hein? Mais arrête de me taper dans la tête. Mais arrête de me taper dans la tête, ça fait mal. Pendant ce temps, sur le pas de la porte de chez Gougout. Bon, ok, messieurs, mais laissez-moi réfléchir. Voilà, mon numéro de téléphone. Et si vous attirez plus, de renseignements, et ben, vous attirez pas la boîte. Par contre, tente pas trop, hein, parce qu'il est là, d'autres petits bébés aussi, y attendent. Bon, ben, allez, bon, ben, écoute, nous va réfléchir, et puis nous rappelons après. Allez, bonne journée. Allez. Alors, Gougout, on fait quoi? Que, ben, que pas, chimère, raconte, qu'on s'en dit. Eh ben, moi, je trouve qu'elle a l'air d'être très sérieuse, hein. Je dis qu'on peut la laisser faire. Et après tout, c'est juste quelques photos pour une publicité, là. Et Gabriel, il sera content quand il sera grand de voir qu'il a fait la couverture d'un magazine. T'es, il est vrai, on a raison, Rakuto. Hein, les gars, il faut pas nous passer à côté. On se rappelle tant, sinon, hein. Ah, non, il m'a toqué, il doit être le même sang. Bon, les gars, nous tous les d'accord? Ben, pour moi, j'ai dit oui. Et pour moi aussi, hein. On va voir une vedette dans la famille, là. Attends, m'y arrive. Bonjour, messieurs. Commissaire? Ben, qu'on fait là-haut?
J'étais sûr que vous seriez là. Je suis juste venu récupérer quelque chose qui m'appartient. Précédemment, dans Radio Novella. Attends, mais arrive. Bonjour, messieurs. Commissaire, ben qu'on fait là-haut? Je suis juste venu récupérer quelque chose qui m'appartient. On l'a ni récupéré les affaires? Ben rentre là-haut, commissaire. Hé, les gars, regarde qui ça est là. Ah, bonjour, monsieur commissaire. Bonjour, monsieur commissaire, bienvenue dans notre humble domaine. Ben, si ça où, commissaire? Et vous voulez une affaire? Excusez-nous pour le bordel, nous pourquoi gagner le temps à ranger un peu la case, mais qu'on n'est pas servi de monde qui n'est pas aujourd'hui. C'est quoi ça? Ah, du champagne, millésimé, 54. Et ça? Ah, du foie gras et du caviar d'Aquitaine. On s'ennuie pas, on dirait. Ben, ça m'a d'où ça? Et comment m'a envie d'aller prendre un œuf de limpe, mais il y a trompé. D'accord, du caviar d'Aquitaine au lieu des œufs de limpe. Et je peux savoir comment est-ce que vous avez fait pour acheter tout ça? Ça coûte les yeux de la tête. Ben, et en fait, nous viennent gagner notre, notre RSA. Et pas vrai, Rakuto? Et oui, et moi j'ai gagné, comment, et mon RMI là? Et toi, Mamadou? Oui, moi aussi j'ai gagné l'argent. Moi j'ai gagné l'argent femme seule. Sauf que moi c'est l'argent homme seule. Parce que moi je suis un moussien. Bon, messieurs, maintenant laissez-moi vous expliquer. J'ai un avion qui décolle pour l'Allemagne dans quelques heures. Ce qui veut dire qu'il ne me reste que très peu de temps pour récupérer mon argent. Mais quel argent? Bon, écoutez, on arrête de jouer maintenant, messieurs. Je sais très bien que vous avez retrouvé une mallette contenant 45 millions d'euros au Camélia. Vous avez 3 secondes pour me la rendre. Bon, le vrai. Nous l'a retrouvé mallette l'argent. Mais là, pas nous l'a volé. Nous l'a trouvé. J'en ai rien à foutre. Donnez-la-moi tout de suite. C'est pas que m'y fais pas confiance, c'est commissaire. Mais nous va aller déposer le mallette la gendarmerie cet après-midi. T'as pas l'air de comprendre, toi. Je te donne 3 secondes pour me dire où elle est. T'es m'a dit, nous va aller déposer le mallette nous-mêmes, tu comprends pas que. D'accord. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce bébé. 1. T'es out. 2. Pendant ce temps, au commissariat Malartic. Aïe! Mais arrête de me donner des coups de sac dans la tête, ça fait mal. C'est bon, Marie-Hélène, n'y allez pas trop fort quand même. Alors, le Corse, tu as retrouvé la mémoire? Ton bras, il a fait comment pour repousser? Écoute-moi, le poulet, je te dis ce que j'avais à te dire. C'est moi qui ai braqué la banque avec la bande de Mariotti. Mais nous l'avons fait pour le compte de la boîte. Ton patron, oui, ton patron. Tout le pognon, c'était pour lui. Ce mec est pire que la peste. C'est le diable en personne. Comadre Lopez, comadre Lopez. Oui, Marie-Hélène, qu'est-ce qui se passe? On vient d'avoir Vasquez. Il est devant la maison, Camélia. Il a retrouvé le commissaire à la boîte. Il menace 3 hommes avec un fusil à pompe. Et il y a un petit bébé dans la maison. Il faut intervenir maintenant, comadre Lopez, sinon ce sera trop tard. Allez, c'est bon, les gars, on y va. Allez, allez, on se grouille, on se grouille. Le commissariat Malartic est en alerte maximum. L'ensemble des effectifs de police, de gendarmerie, de GIPN, de GIGN et de GPAU2-GUN se dirigent à toute allure au Camélia où se trouve la maison de Gougoutte. Alors que le sinistre commissaire Gilles Laboite pointe son arme sur Gabriel. Il faut faire vite. Pendant ce temps, au jardin de l'État... Mais Maurice, tu en as mis du temps, ça fait une heure qu'on t'attend. Mais c'est pas de ma faute, Mario, ils m'ont eu par surprise et enfermé dans le cachot. Comment ça? Et après, ils t'ont laissé repartir? Non. Je me suis échappé. Ces cognos, ils étaient tellement pressés d'aller choper la boîte qu'ils ont oublié les clés sur la porte de ma cellule. Et maintenant, ils savent tout sur la boîte. Il faut qu'on y va tout de suite, Mario. Avec un peu de chance, on arrivera avant eux. Payette, décolle cet hélico. On va transformer la boîte en steak haché. Transforme la boîte en steak haché. Ben, il fait la boîte bœuf. Ben oui. Épargne-nous tes blagues de merde. Pendant ce temps, chez Gougoutte... Qu'est-ce qu'il est mignon, ce bébé. 1. T'es où le gars, c'est qui? 2. L'autre mallette, prends le mallette. Prends tout l'argent, saute le bas, ouais. J'étais sûr qu'elle n'était pas très loin. Je vois que vous avez du bon sens, les gars. Mais au fait,
Cet enfant, il est à qui? Mais garde pas où ça. Eh, c'est au point de mallette ou pas, ouais. Ah bon? Et sinon quoi? T'es bébé, ou t'es... Eh, ou la guette mallette, que souvenez encore? À cause de vous, j'ai perdu beaucoup de temps. Un temps très précieux. Je vais vous le faire payer. Alors, je commence par lequel des trois? Ou le bébé, peut-être? T'es, non, t'es... Hein, commissaire, tiens-moi. Tiens-moi, mais touche pas Gabriel. Eh non, gogo, t'es, je vais me sacrifier. Et tiens-moi, commissaire. Mais laissez mes amis tranquilles, hein. Non, les copains, c'est moi qui me sacrifie. Tiens-moi, commissaire. Fermez-la, vous trois. C'est vous qui avez prévenu les flics? Eh ben non! Ici le commandant Lopez! Sortez! Vous êtes fait comme des rats! Le ratelier, sire! J'ai pas de sœur! Votre femme, alors! Je suis divorcé! Votre maman, alors! Arrête de parler de ma famille! Ben alors, pour ça tu traites les Dalora? Ah, pardon! Je voulais parler de la boîte! La boîte! Rends-toi! Viens me chercher si t'en es capable! Hé, hey, regarde, Maurice! Ils sont en bas! On va les descendre comme des mouches! C'est quoi cet hélico? Oh, couvrez-vous, les gars!